高兴地来到这个滑滑俱乐部，这是我第二次参加，然后呢，对我来说非常重要，是因为我要在这里做发展，然后认识更多的跟我合作的伙伴。Au Chinese Business Club, on a toujours l'habitude de recevoir des invités d'honneur qui sont très charismatiques et très médiatisés. Jusqu'à maintenant, on a reçu Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, les PDG de L'Oréal, PDG de Total, PDG de Accor, PDG du Club Med. C'est le cas aujourd'hui avec le professeur Didier Raoult. L'objectif, si vous voulez, au club, c'est de donner accès aux membres à des personnalités auxquelles ils n'auraient peut-être pas accès en dehors du club. La qualité de nos soins va être basé à l'avenir beaucoup plus sur la technologie que sur les molécules. Nous voyons maintenant que les pays d'Europe qui avaient la plus grande espérance de vie sont dépassés par les pays d'Extrême-Orient. Donc on a là des leçons à prendre et des réflexions à avoir. On doit faire de la technologie parce que c'est par la technologie que l'on progressera, qu'on avancera. Et si je peux y participer, j'en suis content. La production scientifique de la Chine par rapport au nombre de cas qu'il y a eu en Chine est incroyablement disproportionnée. C'est-à-dire qu'il y a une recherche d'une intensité et d'une puissance sur le peu de malades qu'il y a eu en Chine qui est incomparable, qui doit être, je ne sais pas, 50 fois la nôtre. Ça soulève des vraies questions qui, j'imagine, aussi soulèvent des attitudes d'inquiétude qui expliquent que des questions qui ne me paraissent pas réalistes sont posées. Les prochains invités du Chinese Business Club sont Alexandre Ricard le 24 septembre et Nicolas Sarkozy qui revient au Chinese Business Club une nouvelle fois le 8 novembre 2021. Bonnes vacances !